la bête à cette bah où tu vas dans la carte balingi banane de tu vas bah où tu vas na carte yawa ah bah ouais bah ça balingi oh combo kabura buza buza bongoni bongozani voilà combo balingi banane de thé bonga Daniel Safu na tiki bandeko na ba Congo mikolo nga kaka banande osibi monande osibi Daniel bazana ba bi Pitagorte auti kaka likola nzete ya comme député nenge pe bazono maka bango ezala kaka bongo kanda ya kosakana te na lingi kando yo baimboka bazwango mingi mingi bana lamuka bokotsakana nenga nazana ngo likambuto za ngo ezali nini bande kona biso butembo ya yumbi ya beni bavotaka bokonza mboka te awa sikoyo na nzela bapona mina bango ba depute bango baponi esengeli bango pe bavote bopimela bango vota bokonza mboka bongo vote ya bureau définitif d'assemblée nationale Ozo représenter Congo Mobimba, Bobo yko valide bango. Mission ya bureau ezali nini. Mission ya bureau ezali valide. Mandat, ya ba député élu. Commission spéciale pour élaborer le règlement d'ordre intérieur. Et puis, organisation ya, ya vote ya bureau définitif. Voilà les trois missions, n'est-ce pas, du bureau provisoire. Bongo bango. Balingite bongo bandeko na biso yumbi butembo bakota na kati mezali kamola ngana beta sete ba utu o bazana kati balingi banande te watuza ba utu wa na kati yawa ah ba wale baza balingi oko kombo kabura buza buza bongo ni bongo zani wana kombo za balingi banande te bonga Daniel Safu na tiki bandeko na ba Congo mikolo ngaka ka banande osibi monande osibi Daniel Safu bandeko bakota awa soki bandeko bakoti biso tolongwe na 1% to komi na 1,57 on arrondi en termes mathématiques o biso totanga Pythagore ebele bazana ba bi Pythagore te auti kaka likola nzete ya komi député ndenge pe bazono maka bango ezala ka bongo pona biso totanga Pythagore, Galilée, donc nous maîtrisons le chiffre. 1,57%. On arrondit automatiquement. Il n'y a pas à discuter. Tu recommandes à 2%. 2%, n'est-ce pas Mobeko Lobeli, Mobeko Nini, les règlements de l'intérieur, à son article 26 et 25, n'est-ce pas Mobeko Lobeli, les statuts de l'opposition, n'est-ce pas Mobeko Lobeli, et Sengeli Bongo, Tozala, na des postes, deuxième vice-président, na rapporteur adjoint. Bongo lokoso abande kona biso akingakati. Balingi pe pape sa biso ya mokelekete tozwa rapporteur adjoint. Totikeli bango yango. Ndenge bana kisasa boloba balobaka bokosilisa yango. Bosilisa yango. Bino botiki yango bo komona te ke peuple congolais ko se retrouver na motin na ngambo ya pesa kibino ya koya kolobela ya. Papa botiki poste. Papa na yo kasi biso to yawa. Pona tozala na mokongo moto. To moto matela biso 2023 to singi tozonga pe awa. Peuple congolais oyeba soki ba umba ki sanction ne lekoye na 2023 ba kozwango ya mbalo na kasina bonganga to kokota kozola na ngai ba nomé okoti na ensemble okufi esengeli ba pona yo donc likambo ezo sala ma ba imboka ba yeba ba yeba ete lokoso lokoso ko ba bande ko la biso lokoso parlement za gouvernement te oh bolingi bo komo ministre parlement zali esikaye to yito tombo la démocratie ya ezala eloko elengi ozola na ngai ba yo opposition ba yo majorité ba sangane sika yoko pona ba tombo la bongo mboka bongo bango balingi bas moko azobima awa azobima li aobima la pana ya bitenga na zala sima na ye ha yoka yoka ninga zoloba ba député opposition ba ko yoka ngombulo yo na tele la bitala moto mwana kikwiti nani nawej nga bo makata na banga ka mtute ah na lia landa ka mtute ah ya solo baba député o muni na pembe na lo lendo lo lendo muni e kita tata tike la e o mboka biso nyoso ba député opposition ba ko yoka ngo awa ah na ngala bambula ya ya otala nzoto langa ngala bambula e donc likambweza wana bino ba imboka boye ba yango ba panzi sango ah lo koso de zobo mabiso awa e lo koso Neso kabila benge eh yolo balbo elobi iyo mokonzi me loko moko na na beta 7h patron la bango zolo lendo tete bango ba travailler lo lendo makasi kabila zolo lendo lokola bango te
ni sali lolendo koleka patron. Oui, moi c'est l'honorable Mayenge Augustin. Je suis tellement déçu. Le problème qui vient de se passer dans l'hémicycle, les devoirs de bureau, du bureau provisoire, premièrement c'est valider le pouvoir des collègues députés. Deuxièmement, c'est faire un règlement d'ordre intérieur. En finir avec la mise en place du bureau définitif. Maintenant, le bureau de l'Assemblée est constitué de 500 députés, de 500 personnes élues par le peuple. Malgré ce qui s'est passé, on nous disait qu'il y a Ebola à Beni Boutembo, à Yumbi. Ça, c'était un montage monté, comme ils ont voulu nommer leurs députés là. Mais à notre grande surprise, la CENI a organisé les élections. Nous sommes passés aux élections. L'opposition a gagné avec succès. Les collègues de Yumbi, ils arrivent ici. Nous ne devons pas passer aux élections du bureau définitif sans pour autant valider d'abord nos collègues députés et leur donner leurs indemnités. Mais qu'est-ce qui est bloqué aujourd'hui ? Maintenant, la majorité ne veulent pas que les collègues qui sont élus à Yumbi, Beni Boutembo, qui soient validés. Ils veulent qu'on constitue un bureau, qu'on constitue un parlement de 483 députés et marginaliser les autres collègues qui sont élus par la population de Beni Yumbi Boutembo. C'est pour cela que nous on prend acte. C'est-à-dire, le mécanisme de l'FCC continue toujours à diriger. Nous on prend acte comme ils nous ont privés dans le bureau provincial de toutes les provinces. Ils n'ont pas respecté les normes de quoi ? De tous les bureaux là, des assemblées. Il n'y a pas la représentativité de nos 15 membres de l'opposition. Cette fois-ci, nous aussi on prend acte. On va rester l'opposition comme ça et que le bureau définitif soit constitué seulement avec les gens de l'FCC et entre autres, même dans les commissions, même dans les sous-commissions, nous ne serons pas inclus. Nous allons et on prend un témoin, l'Union internationale. Non, on n'a pas. Nous, on a pris acte, on a informé le président du bureau provisoire que si tu fais voter ça, d'ailleurs, ça c'est constitutionnel. La constitution dit vous ne pouvez pas faire voter au Parlement quelque chose qui est déjà déterminé par le consultant. Ceux qui ont écrit la constitution, c'est dit que c'est un droit à un député d'être validé et de voter un bureau définitif. Si le président fait voter ça et accorde à nos jeunes de l'FCC l'élection de ces bureaux-là, il va aussi violer la constitution. Hier, l'élection à Sankourou, ça pose un problème. Comment voyez-vous aujourd'hui l'avenir de RDC ? Vous n'avez pas suivi, vous n'étiez pas dans la salle. Le processus continue. On ne peut pas faire périr le pays à cause d'un petit groupe de gens. On va jusqu'à mettre sur pied le bureau définitif. Merci. De l'Assemblée nationale. Mais les gens de l'opposition ont dit qu'ils ont besoin de récupérer des postes. C'est comme si vous voulez s'accaparer dans tous les postes et vous les donnez le poste des rapporteurs adjoints. C'est là où c'est posé un problème. Pas du tout. Tout est conventionnel. Le tout se négocie. Si les amis disent qu'ils ne veulent pas négocier, c'est leur droit. On ne peut pas refuser aux amis ces droits-là de négocier. Mais ce sont eux qui ont décidé. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas négocier. Nous sommes révoltés, nous sommes indignés parce que nous avons été élus. Nous venons du Congo profond, hein, élus, réellement élus. On n'a pas triché. Et donc, à partir de ce moment-là, on doit être là, faire partie du bureau, être représenté. On n'exige même pas nous-mêmes en tant qu'individus. On veut être représenté en tant qu'opposition. Mais non, nos amis de l'autre côté ne veulent même pas entendre cette voix. C'est pour ça qu'on prévient de leur sortir. Comme ça, eux-mêmes, ils se répartissent les rôles. Et c'est, voilà pourquoi nous avons quitté la salle. Oui, évidemment. Parce qu'ils ne veulent pas entendre. Nous, notre souhait, c'est que l'opposition soit représentée. Et c'est ainsi dans toutes les assemblées du monde. Mais eux, ils ne veulent pas entendre de cette oreille en disant la majorité, on vous donne un sous-poste de vice, c'est quoi encore ? Rapporteur adjoint. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Et c'est une bonne décision de ne pas prendre. Oui, le bureau, on laisse le bureau et on va les regarder, gérer comme ils gèrent la nation. Voilà. Comme ça, ceux qui nous ont élus vont comprendre que nous n'y sommes pour rien. Est-ce que vous croyez que le peuple sera content de voir que vous n'avez pas participé? Non, pas en tant que rapporteur adjoint, soyons sérieux. Qu'on nous donne un poste
peut-être mon collègue peut compléter. C'est pas sérieux. Oui. Bon, c'est-à-dire, à l'issue des élections, vous avez vu les résultats tels que ils étaient promulgués, communiqués, et il y a nos amis qui étaient candidats du côté Est, qui étaient privés de voter d'abord la présidence. Et là, nous avions patienté. Nous avions accepté nos oppositions. Et maintenant qu'il y a eu élection du côté Est, avec l'élection qu'il y a eu du côté Est, c'est l'opposition qui a prédominé, qui a raflé plus ou moins 10 sièges sur les 15. Et maintenant, avec ce résultat-là, les données ont changé. Et à partir de ces données-là, en utilisant les calculs arithmétiques ou mathématiques, l'opposition a droit à 2 postes, puisque ce sont les arguments mathématiques qu'ils étaient en train d'utiliser. Maintenant, arrivé ici, ils se fient de ces calculs-là et ils veulent donner ne fût-ce qu'un poste de rapporteur adjoint. C'est-à-dire, c'est pour qu'ils commencent à manipuler, c'est pas faire trop de manigances, ils ne veulent pas avoir l'œil de contrôle. Le contrôle, le peuple qui doit contrôler comment est-ce qu'on gère les institutions, comment est-ce qu'on contrôle les institutions, ils ne veulent pas de la présence de l'opposition. Et nous ne pouvons pas être là juste pour compiler les papiers. Nous ne voulons pas aller faire le travail de compilation des papiers. Nous disons, nous devons avoir un œil sur la gestion des institutions, de notre institution. Un œil, comment contrôler les autres institutions, ministères, tout ça. Maintenant, ils ont refusé. Et je crois que, comme ils étaient cupides, comme ils ne veulent pas de la population de l'Est, de nos amis de Beni, de Butembo et de Yumbi, alors nous sommes dit, ok, il reste un peu s'attribuer autant de postes. Donc, je suis vraiment peiné de voir. Vous voyez vraiment que vous allez bien gérer la situation? Non, pas question de gérer. Pendant le plénière. Et là, avec ce comportement de cupidité, et là, c'est une sonnette d'alarme pour nos amis de Cache qui ont fait la soi-disant coalition avec nos amis du FCC. Ils sont trop cupides, ces gens-là. Et puis, il n'y a même pas une réflexion. C'est comme s'ils subissaient un commandement, des ordres qui proviennent, nous ne savons d'où. Donc, ils ne parviennent même pas à négocier. Nous, nous demandons à ce qu'il y ait un deuxième consensus. Ils ne veulent pas de ce consensus-là. Et au peuple de juger, de voir qui sont du côté population et qui se battent pour la population et qui se battent juste pour se couvrir, pour rester, pour avoir des immunités. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Félix et Antoine Tshisekedi, son jour pour séduire, alors que son élection historique à la tête de la RDC n'arrête d'éblouir. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, décide de mettre le boucher double en présentant son cheval de bataille pour le 100 jours de son quinquennat. Infrastructure, santé, éducation et le bien-être social. Félix Tshisekedi, plus que jamais au chevet du Congolais. Analyse, Félix Tshisekedi, mieux qu'un équilibriste et rassembleur politique. Luc Gérard Niafé, l'investisseur de renom qui a tout laissé pour servir la nation. Néhémie Mwilanya, l'homme, le mythe, l'immutabilité. Découverte, Denise Nyakeru Tshisekedi, la touche maternelle d'une femme de conviction. Valérie Kabamba, Ruvu Nangiza, chef d'entreprise, promoteuse. Nation, Jean Bosco Kayombo, impulse les renouveaux de la SNEL. Focus, Prince Kokola, Kantitima, une intégrité et un nationalisme sans tache. CNSS, Agnès Mouade Nawej, milite pour l'appropriation de la nouvelle loi sur les prestations sociales. Dossier Eshima, droit de la femme, le combat permanent. Politique, Fofo Kondi, un passionné de la jeunesse à l'Assemblée nationale. Coalition Cash FCC, pénible décollage. Économie, code minier, l'héritage qui divise. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.